Bonjour les scrappeurs et les scrappuses. Aujourd'hui, on se retrouve. Je vais vous montrer comment je fais mes petits carnets. Hein. C'est quelque chose que j'ai inventé, on va dire. Hein. Donc, je vous montre ça. Donc, dans un premier temps, vous allez récupérer. Vous voyez, là, c'est mes paquets de biscottes. Moi, je garde toutes ces petites cartonnettes qu'on peut trouver en alimentaire. Donc, tout ce qui est les emballages de cornflakes ou des choses comme ça. Et ça m'arrive aussi d'utiliser des cartons de surgelés. Alors, j'utilise les cartons, le carton quand il n'est pas en contact direct avec l'aliment. Hein. Quand il est en contact avec l'aliment, vous jetez. Hein. Mais ceux qui sont où il y a des emballages encore à l'intérieur, ben, je les utilise. Donc, je les découpe à la mesure de 15,5 en hauteur et 11,3 en largeur. D'accord? Après, je prends une demi-feuille A4. En fait, vous prenez votre feuille, c'est du 160 grammes. Hein. Vous prenez votre feuille et puis vous la coupez là quand c'est marqué demi A4 hein, sur le massiquet. Donc, je vais vous montrer comment je colle ça. Alors. Ah oui, peut-être que je débouche parce que ça se bouche à chaque fois. Voilà. Donc, je viens coller mon petit carton. Voyez, voilà. Reste là. Alors, ici, ben je viens centrer. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc, comme en bas c'est un petit peu trop haut, je viens découper le bas. Voilà. Après, je viens marquer le pli tout autour. Et voilà. Et là, je plie. Hein. Alors, vous pliez bien. Voilà. Et ici. Donc, ici. Oui, je ramasserai après, c'est pas grave. Voilà. Oh là, j'ai pris trop loin là. Voilà. Voilà. Donc. Et voilà. Et donc là, je viens redécouper un petit peu quand c'est nécessaire. Hein, on voit à l'œil hein, où il est le pli. Donc, voilà. Alors. Et donc, là, c'est bon. Ici. Bon, là c'est bon, et ici c'est bon. Maintenant, on va venir coller les côtés, donc toujours les deux grands côtés en premier. Donc, vous venez. Appuyez, hop. Excusez-moi, j'ai ramassé mes petits bouts. Voilà. Donc, on vient appuyer. Et après, voilà. Il faut bien éventuellement faire sortir la colle s'il y en a un peu trop.
Voilà. Voilà. Donc, on vient appuyer tout le long. Voilà. Après, là, vous faites ça de chaque côté et vous venez mettre la colle ici. Ah mince. C'est bouché encore. En plus, il m'en reste pas beaucoup, mais... Voilà. Ou c'est déjà arrivé au fond, je sais pas. C'est peut-être possible ça aussi. Donc, on va mettre avec le doigt. Voilà. Voilà. Alors, c'est bizarre parce que dans la... J'ai l'impression qu'il en reste. Ah bah si, il en reste. Mais je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Bon, il est pas plein. Hein, mais justement, je voudrais finir tous ces pots de colle que j'ai d'entamer. Et qui, alors, ici... Voilà, donc vous voyez, j'ai trois coins qui sont bien, et celui-ci, là, il est un peu moins beau. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un crayon blanc, et puis je viens passer du blanc sur le... Ah, il ne marche pas celui-là? Ah oui, un crayon blanc, il faut que je trouve un papier de couleur pour pouvoir essayer. Ah oui, non, ça ne marche pas bien. Je vais mettre du Posca. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai mis un petit peu de blanc et ça cache. Vous voyez, voilà. Donc, je remets ça là. Maintenant, vous allez couper 4 feuilles. Alors, attendez, comment que c'est ? 4 feuilles de papier décor de 10,9 de large. Là, 19. Et puis là, 15,1. Donc moi, je peux pas mettre 15-1 parce que j'ai découpé dans un bloc 15-20. Donc bon, moi je vais le mettre plutôt bien en bas. Ah oui, alors ça, parce que j'ai un coin là qui est un petit peu corné. Donc je vais le mettre comme ça, ça sera l'arrière. Donc je viens mettre. Vous voyez, ça sort encore, c'est bizarre. Elle est pas mal cette colle nouveau. Elle se rapproche beaucoup à la colle de reliure que j'achète chez ma relieuse là. Ouais. Elle est peut-être un petit peu plus épaisse, on va dire. Ouais. Mais elle est bien, elle colle bien. Et elle gondole pas. Je pense que je l'avais fait venir de chez Craftly. Je me souviens plus exactement. Donc. Voilà. Oui, bah ça va. Hein, la hauteur, ça va. Hein. Voilà, voilà. Hop là. Bon, je bouge de trop. Et puis, à l'intérieur, je vais mettre celui-ci. Voilà. Hein. Donc, pareil. 15, pardon. 15,1 par 10,9. Hein. Ah là là. Alors, c'est des papiers qui me restent de ma collection de printemps, là, que j'ai fait venir de chez Craftelier il n'y a pas très très longtemps. Donc, si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une très jolie collection,
Il me reste quelques papiers, mais pas beaucoup. Et il me reste beaucoup de die-cut, par contre, hein, parce que j'en avais recommandé. Bon, je vais pas les perdre parce que ça pourra me servir à faire des créations de packs dans les années à venir, mais hop là. Donc vous allez voir là dans les. Vous avez vu, puis vous allez voir dans les vidéos qui vont venir, des créations qui sont faites avec ces papiers-là. Hein. Donc voilà. Alors, je vous ai épargné de faire le devant. Alors, le devant de mon carnet, il sera comme ça. Comme ça. L'arrière intérieur et l'arrière extérieur. Donc voilà. Alors, quand vous mettez un papier à l'intérieur, pensez toujours que quand vous allez ouvrir votre carnet, il sera, on le regardera de ce sens-là. Donc, il faut mettre l'intérieur à l'envers, en fait. Hein. S'il y a des personnages, par exemple, bah, qui n'aient pas la tête en bas. Après, j'ai découpé des feuilles dans du A4. Hein, c'est les feuilles de couleur qu'ils vendent chez Action. Donc, je les ai coupées par deux. C'est des pages 21, 29, 7. Donc, vous coupez à 10 et demi dans la largeur, et après donc ça vous fait 10 bandes, et après vous recoupez à 14,85. Mais souvent sous les massicots c'est marqué, hein, vous positionnez, et puis moi c'est ce que j'ai fait, hein. Alors après on va passer à la reliure. Donc la reliure, j'ai découpé, alors je prends cette reliure là de chez Craftelier, vous voyez. C'est vendu, vous avez les deux baquettes en 5/8 à 1,50 € et toutes les couleurs que vous voulez. Donc là, je mets du blanc parce qu'on est sur des choses claires. Après, vous avez du rose, du bleu, du vert, toutes les couleurs, du bronze, du gold, tout ce que vous voulez. Hein? Donc là, j'ai découpé 6, 6, voilà. Donc maintenant, pour percer les trous. Voyez, là, vous avez le milieu de votre. Voilà. Ouais, vous avez le milieu là. Vous pouvez visualiser cette petite flèche. Donc, moi, je vais percer des trous de chaque côté. Hein. Donc, pour ça, en fait, il suffira de mettre notre papier. Non, plutôt comme ça. Bien positionné au milieu. Alors, attendez. Hop. Donc, ce que vous faites la première fois, c'est que vous prenez. Alors, moi, j'ai 10 et demi. Donc, il faut que mes papiers ils soient à 5,25 de chaque côté du centre. Donc, là. Oui. Alors, comme ça. Et puis, vous poussez bien jusqu'au fond. 5. Il faut que je redescende un tout petit peu. Faut bien le centrer parce qu'autrement c'est pas beau, hein. Ah non, c'est dans l'autre sens. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai fait là? 5, 4. Voilà. Donc là, je viens perforer. Voilà. Hein, donc vous mettez un petit paquet de feuilles, hein, vous voyez? Hein? Donc, bah, je ne vais pas toutes les perforer avec vous. Voilà. Et puis après, pareil, vous allez venir prendre le milieu. Donc, comme j'en avais fait d'autres, j'ai marqué, vous voyez. Donc là, mon carton fait 11,3. Oui, même 11,4 maintenant qu'il est recouvert. Donc, vous prenez 5,7 de chaque côté. C'est bien. C'est bon. Et donc là, vous venez percer. Voilà. Et puis, celui qu'on vient de faire. Alors là, vous le prenez pas à l'arrière du carton. Vous prenez la feuille intérieure, ce qui sera à l'intérieur de votre. Et là, vous venez mettre comme ça. Voilà. Donc, après. Vous venez positionner vos petites reliures que vous avez coupées par 6. Vous venez les positionner ici. Alors, dans un premier temps, on met
Je vais peut-être pas tout mettre d'un coup parce que ça va faire gros pour pouvoir absorber tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, vous commencez par mettre vos feuilles. Hein, je vous mets bien en face. Après, vous venez mettre la couverture du dessus. Voilà. Voilà. Et là, vous mettez le bloc arrière. Là, le fond de votre carnet, en fait. Hein, mais pas à l'envers. Hein. Et voilà. Donc, on les rentre bien comme ça. Ici, après, vous venez positionner. Vous voyez, vous avez un petit curseur. Et selon ce qu'on met dedans. Donc là, moi, j'ai mis une reliure 5 huitièmes. Donc, je viens me positionner sur 5 huitièmes. Et là, je viens écraser. Hop. Voilà. Donc, il faut souvent le faire en deux fois. Hein. Alors, attendez. Hop. Voilà. Et encore. Oui, parce qu'il faut bien que ça ferme le carnet. Des fois, j'y arrive du premier coup. Des fois, il faut que j'y revienne à plusieurs fois. Ça dépend des fois. Alors, ici. Voilà. Ouais. Il n'est pas des mieux réussis, mais bon. Ça marchera quand même. Hop. Ah ben non, ça marche pas. Donc il faut que je le remette là. Alors attendez, je vais remettre tout ça et je vous reprends.